Et bah allez, on est reparti. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué, donc j'espère que je vais pas être trop paumé. Je sais plus trop franchement où j'en étais. Par contre, chose est sûre, c'est qu'on est sur la mission l'évasion Liga. Bon, voilà, ça je peux pas me tromper. Mais alors je sais plus du tout où je m'étais arrêté. D'ailleurs je vois que le raccourci n'est même pas ouvert. Alors que a priori j'avais affronté les ennemis qui étaient de l'autre côté. Bon. J'ai dû refaire le tour bêtement, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi je suis à cet endroit-là. Un peu bizarre. Je vois que le cadavre est pas fouillé. Je me demande si j'avais pas recommencé la mission pour un truc. Enfin, ouais, je sais pas. C'est bizarre. Ils sont tous là. C'est bizarre ça. Les cadavres sont là aussi. On est bizarre. Impressionnant. Ah non, t'es là toi. C'est bizarre ça. Là c'est même plus que bizarre. Hein. Normalement, même si j'avais admettons mis fin à la mission précédente pour la recommencer, j'aurais normalement ramassé, donc il devrait plus être là. C'est un peu bizarre. Hein. Bon, c'est pas grave, on s'en fout de toute façon. Voilà, ce qui compte c'est que je la fasse. Mais c'est le principal. Ouais, je vais essayer d'accélérer un peu. Ça j'avais déjà fait la vidéo précédente donc ça va pas le faire. Faut starter. Merde, le con. J'ai pas mis le truc d'invisibilité. Là, fais pas le con, hein. On était amis. C'est tout. Putain, quelle puissance de faible. Abusé. Même lui il est pas ramassé. Genre. Oh, il y a une couille de la matrice. Hein. Je regarderai les vidéos précédentes. Ça c'est un peu bizarre quand même. Normalement j'avais fait toute la zone, tout ce tué, etc. Et genre là la porte qui est pas ouverte, les panamas qui sont pas ramassés. Je crois qu'il y a quand même petit souci là. Je commence à me demander si le jeu il a réellement sauvegardé. Mais si c'est pas le cas, ben, ça craint quand même. Il y a pas mal de bugs hein, quand même sur la version PC, je trouve. Entre les freeze et compagnie, le fait que ça n'a pas sauvegardé a priori, c'est un peu chelou. Thank you.
Ah, c'est pas ça ce que je voulais. Non, c'est pas quoi, tu vois. Quoi, c'est la gueule. Intéressant ça. Merde à ça. Ça va toi. Si jamais ça peut te resservir. Alors je le rappelle, ce que j'ai fait là par exemple, au moment où il apparaît et que je brise la corne avec le faucheur, attention, j'attends un certain temps avant de le faire. Si vous le faites aussitôt dès qu'il apparaît, ça vous stoppe, lui contre-attaque, vous êtes mort. Mettez-vous à bonne distance, dès qu'il apparaît, vous attendez une bonne seconde, et là seulement, une fois qu'il a fini d'apparaître, on va dire ça comme ça, on attaque le faucheur, ce qui lui brise généralement la corne très vite. Et ça se pratique, quand on l'enchaîne, il n'a rien pu faire. Ouais, c'est intéressant. Ma foi, ça va être... Ah, c'est dommage, les gars à l'ouest. Moi, je suis... Oh, l'autre, tu es là, mange. Mais ça se fait pas dans le dos. Le traître est quand même monté au-dessus de moi pour tomber dessus, hein, le salaud. Enfin, monter au-dessus. Avancer au-dessus. J'ai compris.
Là pour que les petits salamandres est bien quand même. Les endroits restreints que ça, moi t'es pas emmerdé. Le top quoi. Voilà, on se retrouvera sur la prochaine vidéo.